Bonjour, donc aujourd'hui on va commencer à traiter une image. Donc j'ai choisi celle-ci. Donc je la sélectionne et j'appuie sur D pour développement ou je vais là sur développement. Voilà. Donc là, ce que je peux constater, c'est que cette façade là est plutôt cramée. Ici, c'est un peu cramé aussi. Là, c'est très blanc. Donc, on va déjà voir le réglage en automatique. Ici, je clique sur Auto. Qu'est-ce qu'il me propose? Il me propose d'assombrir un peu le tout. Je ne trouve pas que ce soit très très bien. Mais bon, alors, je vais augmenter un peu l'exposition, voilà, pour donner plus de peps, un peu de contraste. Je mets un peu de vibrance. La vibrance, c'est la tendance, c'est pour augmenter les couleurs en fait. Je vais toujours faire dans la correction du voile, voir si ça peut être intéressant. Ouais, c'est pas mal. Je vais le mettre à plus 37. Donc là, je trouve que dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Maintenant, je vais essayer de récupérer cette zone-là. Donc, je sélectionne la brosse qui est ici. Alors, soit j'affiche l'incrustation ici. Ça me permet de voir le masque, ce que j'ai peint en rouge. Soit j'appuie sur le raccourci qui est haut. Donc je clique là pour voir ce que je peins en fait. Et je vais reprendre la façade avec la roulette de la souris. Je peux dimensionner mon pinceau. Et voilà, je peins. Donc ça peint en rouge, mais c'est pas en rouge en fait. Hein. C'est simplement pour me montrer la sélection que je fais. Donc voilà, je vais peut-être prendre un petit peu ça. Ouais, c'est trop grand. Donc si je veux réduire ce que je viens de faire, j'appuie sur contrôle, non, sur option, excusez-moi, et j'enlève un peu de ce que j'ai pris en trop. Voilà ma sélection. Donc si je décoche afficher l'incrustation, hop, le rouge disparaît. Je vois ma façade et dans ce rectangle-là, je peux gérer tous ces curseurs-là seulement sur ma sélection. C'est-à-dire que là, si je baisse l'exposition, étant donné que c'est un RAW, je retrouve du détail dans ma façade. Voilà. Là, ça me paraît pas mal. Donc, j'aurais pu aussi modifier le contraste et le reste. Mais c'est pas la peine. La netteté, c'est à 72, ça va. Donc, là, j'ai récupéré en gros ma façade. Je rajoute un peu. Là, on peut directement, si on voit des zones qui manquent, repeindre sur la sélection sans l'avoir. Je rajoute des choses. Voilà. Donc là, j'ai fini, je reclique sur le pinceau, ça me désélectionne ma sélection. Voilà. Là, si je veux retrouver ma sélection, je rappuie sur le pinceau et là, je vois mon petit rond qui s'affiche. Et si je pointe dessus, je vois ma sélection rouge. Alors, si je veux modifier les réglages, il suffit de recliquer dessus et je peux remodifier les réglages que j'avais fait avant. Voilà. Donc là, je vais faire une nouvelle sélection pour voir si je peux peut-être adoucir un peu ici et ici. Donc je reclique sur mon pinceau de retouche. Je réduis un peu ma sélection. J'appuie sur haut pour voir ce que je fais. Je vais peindre ça par ici.
Voilà, ici un petit peu sur cette zone. Voilà. Pour le reste, peut-être un peu ici. Un petit peu ici. Là, ça me paraît pas mal. Peut-être faire un peu ça là aussi. Voilà. Donc, je vais modifier tout ça. J'appuie sur haut pour enlever le rouge. Pour voir ce que je vais faire. Et là, je vais baisser un peu l'exposition. Pas trop. Comme ceci. Ouais, c'est un peu trop là. Voilà, comme ça. Là, ça me paraît bien. Là, je vais enlever un peu ça là. J'appuie sur Option. Et j'enlève cette partie-là de ma sélection. On verra ensuite d'autres outils. Je vous remercie d'avoir visionné ce petit film et mettez un pouce bleu si ça vous a plu et abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez en voir d'autres. Allez, à bientôt, au revoir.